إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله سبحانه عز وجل en cette soirée du mercredi 19 جمادى الثانية 1431 de l'Hijr, ce qui correspond avec le 2 juin 2010 d'après le calendrier chrétien. Nous sommes, inshallah ta'ala, toujours à sourate al-Fatiha. Et aujourd'hui, bi'idhni Allah ta'ala, j'ai décidé, inshallah ta'ala, que ce soit le dernier cours. Là, j'aurais pu, inshallah ta'ala, si j'avais voulu, ajouter encore 10 ou 20 cours dans sourate al-Fatiha. Et j'ai préféré arrêter là, inshallah ta'ala, pour que yani, les gens ne se lassent pas et pour qu'on commence, inshallah ta'ala, quelque chose de nouveau. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, yani tout le Coran, bi'idhnillah ta'ala, qui nous attend, ça veut dire des années et des années, si Allah subhanahu wa ta'ala rallonge dans notre vie. Et la fois passée, nous avions dit que nous étions fêtés lorsqu'on dit ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. C'est-à-dire, on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans les droits chemins. C'est-à-dire, quand on dit « Ihdina sirat mustaqim », tu dis « Ya Allah, indique-nous, Ya Allah, oriente-nous et guide-nous dans le droit chemin, qui est la voie claire menant vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son paradis, vers le lieu éternel des délices et des plaisirs. » Non, c'est pour ça que, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, qu'on fasse cette doua, ihdina sirat mustaqim, yani dans chaque rak'at. Pourquoi? C'est dire que l'être humain, même le croyant, naam, à chaque minute, il risque quoi? Il risque de dévier du chemin. Tellement il y a de tentations, tellement il y a d'égareurs, tellement il y a de gens, de Satan, qui pousse à quoi? Qui voudrait nous pousser à nous dévier du droit chemin. C'est pour ça que nous, dans chaque salat et dans chaque rak'at, on a besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide dans le droit chemin. Et ensuite on va dire c'est quoi le droit chemin? C'est le droit chemin, yani on dit le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. Le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. Et ceux que Allah Ta'ala a comblé de faveur, c'est d'abord les prophètes, les messagers bien sûr, ensuite les véridiques, les martyrs et les pieux. Ensuite, tellement c'est important à fond, qu'on va dire, après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers le droit chemin, et on va citer le chemin de qui? Naam. Ça ne suffit pas, et on va demander qu'il ne nous guide pas vers le chemin de ceux qui ont encouru sa colère. Ghayril maghdoubi alayhim. Ce sont, Ya Allah, ne nous guide pas vers le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui? Ce sont ceux qui ont connu la vérité et l'ont délaissé. C'est-à-dire, comme les juifs et ceux qui s'en rapprochent. Ensuite, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous guider vers le chemin des égarés. C'est-à-dire, le chemin de ceux qui ont délaissé la vérité par ignorance et par errement, comme les chrétiens et ceux qui s'en rapprochent.
quelle est la preuve? Quelle est la preuve que ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, ce sont les juifs. Et que ceux qui sont égarés, ce sont les chrétiens. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous devez le savoir, le Coran est descendu sur lui. Donc personne ne connaît Allah, ni ne connaît sa parole, qui est le Coran, mieux que lui, que la paix soit sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Al-Maghdoubu alayhim al-Yahoud. Il a dit, ceux qui ont encouru sa colère sont les juifs. Wad-dallin al-Nasara. Et les égarés, ce sont les chrétiens. C'est un hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, dans son livre Silsila Sahiha, sous le numéro 3263. 3263. Je répète, Al-Maghdoubu alayhim, ceux qui ont encouru sa colère, ce sont les juifs. Et ceux qui se sont égarés, ce sont les chrétiens, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith numéro 3263. Donc en fait, si on méditait bien, on va voir que tous les gens, et que tout le monde ne sort pas de combien? Ne sort pas de trois groupes. D'abord deux groupes, ça se divise en deux, ensuite en trois. Regardez comment. Non. Toute personne, ou bien elle connaît la vérité, ou bien elle ne la connaît pas. Ça fait donc deux groupes. Toute personne, sans exception, ou bien qu'elle connaisse la vérité, ou bien qu'elle ne la connaît pas. Et celui, ou bien la personne qui a connu la vérité, ou bien elle suit cette vérité, ou bien elle ne la suit pas. Je donne un exemple. Celui qui a su, bon, il y a qui ne savent pas, par exemple, que l'islam c'est le vrai. Donc, il y a ceux qui ne savent pas que, par exemple, la salat est obligatoire. Donc, ils ne savent pas que le hadith est obligatoire. Donc, ceux qui ont su, il y a qui suivent. Il sait que la salat est obligatoire, il prie. Il sait que c'est obligatoire de se voiler, elle se voile. Et d'autres quoi? D'autres savent et ne suivent pas. Donc, ça va se diviser en fait en trois groupes. Toute personne doit se trouver dans un de ces trois groupes. Celui qui a connu la vérité et l'a suivi. Ou bien, celui qui a connu la vérité et ne l'a pas suivi. Ou bien, celui qui n'a pas connu du tout la vérité. Je répète encore une fois. Toute personne doit se trouver dans l'un de ces trois groupes. Ou bien il a connu la vérité et l'a suivi. Ou bien il a connu la vérité et ne l'a pas suivi. Ou bien il n'a pas connu la vérité. Donc, s'il a connu la vérité et l'a suivi, c'est ce que Allah Ta'ala a comblé de faveur. S'il a connu la vérité et ne l'a pas suivi, c'est les juifs et c'est ceux qui leur ressemblent. Ou bien, il n'a pas connu du tout la vérité, c'est les chrétiens et ceux qui leur ressemblent. Voilà, bas, est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? Et si c'était possible, vous auriez écrit ça. Si c'était possible, vous auriez écrit les gens, trois groupes, pour que les gens retiennent bien. Enfin, je voudrais dire que cette sourate, malgré qu'elle soit si petite, elle contient ce que n'ont pas contenu d'autres sourates du Coran. Vous étiez présent avec moi quand j'ai fait un cours où j'ai dit que si on vous demandait quelle était la meilleure sourate du Coran, vous devez dire, c'est quoi? C'est le Fatiha. Je vous l'ai dit une fois, il y a un hadith authentique qui dit comme ça. La meilleure sourate, c'est quoi? C'est le Fatiha. Et le meilleur verset, c'est quoi? C'est le verset du repose-pied, et du kursi. Ça, pourquoi sur le Fatiha, c'est la meilleure sourate? Parce que tous les livres que Allah Ta'ala a fait descendre, 100 et quelques livres, 104 ou 124, que Allah Ta'ala a fait descendre, tout ce qu'il y a dans cette centaine de livres se trouve résumé dans le Coran. Tous les livres que Allah Ta'ala a descendu, le résumé se trouve dans le Coran. Et tout ce qu'il y a dans le Coran se trouve résumé dans Sourate Al-Fatiha. Dans Sourate Al-Fatiha. C'est pour ça que, bien sûr, elle contient ce que ne contiennent pas d'autres sourates. Et ce que ne contient pas aussi d'autres livres. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'elle réunit par exemple? Bon, les gens se divisent en trois groupes. Ceux qui ont connaissance de la vérité et l'ont mis en application. Naam. Et ceux-là, ce sont ceux que Allah Ta'ala a comblés de faveur.
ceux qui ont connaissance de la vérité ne l'ont pas suivi. Ça, n'ont pas mis en application. Ce sont les juifs et ceux qui s'en rapprochent. Ceux qui n'ont pas connaissance de la vérité, ce sont bien sûr les chrétiens et ceux qui s'en rapprochent. Al-Muhim. Donc, que contient cette sourate, malgré qu'elle soit si petite? Premièrement, elle contient la meilleure science absolue. C'est quoi la meilleure science? C'est la science de quoi? Du tawhid. Tawhid. Hein? Qu'est-ce qu'il y a en islam, la meilleure science? C'est de parler d'Allah Ta'ala lui-même, de parler de son nom, ses attributs. Vous savez que ça, c'est primordial sur la charia. Il ne faut pas faire comme des takfiris qui croient que si tu coupes la main à quelqu'un, ça prévaut sur que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala. On dit non, c'est pas vrai. Moi, je commence par connaître Allah subhanahu wa ta'ala. L'aqida, ensuite vient sharia. Naam, la sharia, c'est quoi la sharia, la législation? C'est comme si tu avais un joyau, tu as un émeraude, tu as quelque chose de très cher. Naam, cette chose très chère, tu voudrais la protéger, ça? Tu la protèges dans un coffre-fort et tu mets des soldats, tu payes des policiers, je ne sais pas qui, des gardes-corps pour la garder. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai, si c'est important. Maintenant, la sharia, c'est la même chose. Quand tu as la aqida, c'est la même chose. Quand tu as la aqida, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'entourer par la sharia. Quiconque vole, je lui coupe la main. Quiconque fait ceci, je lui fais ceci. Pourquoi? Pour qu'il ne touche pas à ma aqida. Mais s'il n'y a pas aqida, est-ce que l'islam, yani, veut couper les mains et couper les têtes? C'est ça l'islam. L'islam te demande d'abord la aqida. Le djihad lui-même, il n'y a pas s'il n'est pas pour la aqida. Litakuna kalimatullahi al-ulya. Pourquoi tu fais le djihad? Pour que la parole d'Allah soit la plus haute. L'aqida. S'il n'y a pas l'aqida, il n'y a pas de djihad. Ça, c'est pour ça que la différence entre nous et les égarés. Nous, on fait l'ouala ou l'bara. L'ouala ou l'bara, c'est pas comment on dit ça en français. L'ouala ou l'bara, on fait pour qui? L'aveu et le désaveu. Non, fait pour qui? Pour celui qui nous vient avec l'aqida. Ce n'est pas celui qui nous vient avec le djihad et je ne sais pas quoi. Comprenez? Regardez, lorsque le Khomeini, lorsqu'il est venu dans les années 80 ou 20, il est venu de France vers Osmo, vers Iran. Non, tout le monde s'est levé. Vive Khomeini. Enfin, qu'est-ce qu'il a ramené le Khomeini? Il a ramené l'aqida. Sa aqida, c'est une aqida de kof et de mécréance. Il a Zama, c'est pas vrai aussi. Zama, il a ramené quoi? Il a ramené Zama Sharia, il voulait faire Sharia. Tous les égarés, tous les ignorants l'ont suivi. Pourquoi? Parce qu'ils font le vœu et le désaveu autour de quoi? Autour de la Sharia. Si quelqu'un leur dit Sharia, tous ils se lèvent. Si quelqu'un dit Aqida, tout le monde s'enfuit et les laisse seuls. Naam. Al-Muhim. Donc cette sourate, elle comprend les trois sortes d'unicité. L'unicité de la Seigneurie. Quand tu dis Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tu as reconnu Allah Ta'ala, c'était Rabb, le Seigneur. Ensuite, ça contient aussi l'unicité de l'adoration, Tawhid Uluhiyya. Quand tu dis quoi? Iyaka Na'bud. Iyaka, c'est toi que j'adore. Tu as reconnu que tu l'adorais. Donc, c'est l'unicité de quoi? De l'adoration. Et ensuite, ça contient aussi quoi? Ça contient l'unicité des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, tu as déjà attesté deux noms, Ar-Rahman, l'infiniment miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Donc cette sourate, avec sa petitesse, elle englobe quoi? Elle contient déjà les trois sortes d'unicité. Elle contient quoi aussi? Cette sourate contient aussi l'affirmation de la rétribution. Naam, qu'il y a quoi? Qu'il y a une rétribution. Et ça, lorsque tu dis quoi? Malik Yawmiddin. Malik, ô souverain du jour de la rétribution. Donc tu reconnais qu'il y a quoi? Qu'il y a le jour de la résurrection. Et que non seulement il y a résurrection, mais il y a rétribution après. Et rétribution, bien sûr, avec justice. Justice. Ce n'est pas la rétribution que yani, celui qui a fait des bonnes actions va se trouver en enfer. Et celui qui a fait de mauvaises actions va se trouver au paradis. Ce n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, la yadrimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas une injustice d'un atome.
Alors c'est pour ça que, comme je vous ai dit déjà une fois, j'ai dit si jamais, le jour de la résurrection, tu vois quelqu'un que tu connaissais dans cette dunya et qui apparemment ne faisait que du bien, et Allah Ta'ala lui ordonne d'aller en enfer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah a été injuste, et là que toi tu n'as pas compris. Ça veut dire que toi, même tu ne sais pas, tu n'es pas au courant, tu dis Allahu A'lam. Allah, quand il a décidé qu'il le mette au feu, c'est lui qui sait, moi je ne sais pas. Car moi je ne connaissais cette personne que dans les apparences. Mais Allahu A'lam, qu'est-ce qu'il faisait? Mais au fond des choses. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, yani, que la personne, yani, la personne, je donne à peu près le sens du hadith, mais il est authentique, que la personne, yani, fait des choses qui sont des choses du paradis, alors c'est quelqu'un de l'enfer, comme ça dit le père Satan. Il y a des gens que vous voyez, apparemment, ils font des œuvres du paradis, alors qu'ils sont des gens de l'enfer, et d'autres gens qui font des œuvres, apparemment, qui sont des œuvres de quoi? De l'enfer, alors qu'ils sont des gens du paradis. Je donne un exemple très simple. Moi, je vois quelqu'un prier, je vois quelqu'un au hajj, je vois. Ce sont des actions du paradis ou de l'enfer? Du paradis. Mais, Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Peut-être que cette personne, c'est une méchante, peut-être cette personne. Mais elle fait comme ça juste pour tromper les musulmans, juste pour je ne sais pas quoi, ça existe. Donc pour moi, il fait des actions du paradis, mais pour Allah Ta'ala, c'est quelqu'un qui va aller en enfer. Autre exemple du contraire. Quelqu'un, vous connaissez le hadith, deux personnes qui se sont entretuées, un mécréant et un musulman, ils se sont entretués. Le hadith, il est authentique, vous le connaissez, on l'a expliqué une fois. Les deux, sont morts. Allah Ta'ala a ri. Allah Ta'ala a ri quand il a vu ces deux hommes s'entretuer. Il a ri pourquoi? Parce que les deux allaient partir au paradis. On va dire comment? Le musulman, il va aller au paradis, c'est sûr, pour deux choses. Premièrement, il est musulman, deuxièmement, il a été tué. Et l'autre, comment se fait-il qu'il va partir au paradis? Premièrement, il est kafir. Deuxièmement, il a tué un musulman. Mais Allah Ta'ala a su, pourquoi il a ri? Allah Ta'ala a su que ce kafir allait un jour devenir musulman et que lui-même allait être tué. Et que lui-même allait être tué dans la guerre sainte et allait mourir en martyr. Donc pour nous, si on avait vu ce kafir en train de tuer le musulman, ensuite le kafir est parti. On l'a pu rencontrer. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'ennemi d'Allah X qui a tué le musulman. Naam, c'est un ennemi d'Allah, c'est un ennemi du prophète. Naam, alors que, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que nous, sans qu'on le sache, il a fait Toba et il est mort en martyr. Muhim, cette sourate, qu'est-ce qu'elle contient aussi? Elle contient l'affirmation du destin. Naam, l'affirmation du destin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté, a une réelle volonté dans ses actes. Contrairement au qadarit et au jahmit. On est au jabrit. Ça, on va le voir, inshallah, tout à l'heure. Naam. Et enfin, cette sourate contient quoi? Contient, yani, comment on appelle ça? Disons, yani, elle démolit tout le dogme et les dogmes de toute secte égarée. Toute secte égarée, cette sourate, naam, al-Fatiha, elle démolit son dogme. On va voir, inshallah ta'ala, comment cela, par détail, bi-idhillahi subhanahu wa ta'ala. D'abord, laissez-moi vous dire aussi que cette sourate contient la preuve de la prophétie. Car il y a des gens, comme vous savez, qui ne croient pas que Allah Ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Comme moi, hier seulement, pas plus tard, je discutais avec une de mes filles. Elle m'a dit, mon ami, c'est-à-dire son ami à elle m'a dit, son oncle, il dit, je crois à Allah, mais je ne crois pas au prophète. Yani Allah Ta'ala n'a pas envoyé de prophète, seulement Allah. Donc il y a des gens qui ne croient pas à la prophétie. On va dire, cette sourate, al-Fatiha, prouve qu'il y a la prophétie. Premièrement, je donne un exemple, premièrement, lorsqu'on dit, Alhamdulillah, Allah, on a employé le mot Allah. Allah, c'est quoi? Ça vient de Ilah. Mais, pour yani, le résumé ou là, yani, on dit là, c'est un nom propre. Comme moi je m'appelle Mohamed, l'autre qui s'appelle par exemple
Ali, Allah a yani son meilleur nom, l'un des noms qu'il a, des plus beaux noms, c'est Allah, c'est le meilleur d'ailleurs. Et tous les autres noms tournent et gravitent autour du nom Allah Azza wa Jalla. Donc Allah c'est quoi? Ça vient de Ilah, c'est l'adorer. C'est l'adorer. Donc ici, quand je dis l'adorer, Allah, quelle est la preuve que, de la prophétie? La preuve de la prophétie que, puisque tu reconnais que tu adores Allah Azza wa Jalla, alors sache que personne ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala si quoi? S'il n'y avait pas les prophètes. Est-ce que quelqu'un peut adorer Allah sans les prophètes? C'est pas possible. Sans les prophètes, il n'y aurait pas le Coran. Sans les prophètes, il n'y aurait pas le livre. Or, sans les prophètes, comment je sais qu'il y a Allah ou il n'y a pas? Donc déjà, le fait que tu dises Alhamdulillah, tu as prononcé le mot Allah, tu as reconnu que, donc, il a envoyé des prophètes pour qu'il nous fasse yani, connaître Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, quand tu dis Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Seigneur de qui? Seigneur des mondes. Alors, est-ce que d'après toi, le Seigneur des mondes va abandonner le monde des êtres humains, non, sans qu'il leur montre comment le connaître et comment l'adorer? Et si tu dis si, c'est pas possible, si, il faut qu'il leur montre comment l'adorer. On va dire donc, pour leur montrer comment l'adorer, il va leur envoyer quoi? Des prophètes. Non. Autre point qui montre que Fatiha contient la prophétie. Lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Est-ce que Ar-Rahman Ar-Rahim, tu reconnais que c'est l'infiniment miséricordieux et c'est le très miséricordieux? Est-ce que le tout miséricordieux, le très miséricordieux va abandonner Naam, ses serviteurs, yani, et ne pas leur envoyer aussi des messagers? Il leur fait descendre la pluie. Il leur envoie yani, ce qu'ils veulent. Il leur donne yani, à manger. Il leur fait sortir les plantes de la terre, les graines, etc. Et il leur envoie pas des messagers. Alors que tout le monde sait que Rahman Rahim, c'est attendez, je cherche le mot. Yani, qu'il donne à ses serviteurs ce qui fait vivre leur cœur est primordial à ce qu'il leur donne ce qui fait vivre leur corps. C'est ça Rahman Rahim. Rahman Rahim, c'est pas seulement il te donne yani, ce qui te fait subsister pour que tu vives, que tu sois fort et en bonne santé. Mais Rahman Rahim, d'abord, il te donne ce qui le rapproche de lui, hein, ce qui le fait connaître. Aussi, quand on dit, Yawmiddin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc tu reconnais que il y a un jour où il va y avoir la rétribution. Et s'il y a un jour où il va y avoir la rétribution, Allah Azza wa Jal, c'est impossible, puisque lui c'est le plus juste, c'est impossible qu'il châtie quelqu'un ou qu'il punisse quelqu'un sans l'établissement de la preuve. Et pour qu'il y ait établissement de la preuve, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des messagers. Ensuite, où est-ce qu'on peut trouver ça aussi? Non, la preuve qu'il y a des messagers. Où est-ce qu'on peut trouver ça aussi? Quand tu dis « Iyaka na'bud »,« Iyaka na'bud », »,« Ya Allah, c'est toi que nous adorons ». Est-ce que tu peux adorer quelqu'un, non, sans qu'il accepte toi et sans qu'il agrée de toi? À quoi ça sert d'adorer quelqu'un s'il n'accepte pas de toi? Et pour que Allah Ta'ala accepte de toi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu aies suivi son messager. Allah Ta'ala n'accepte pas de toi que quoi? Que tu l'adores comme tu veux toi. Non. Tu fais ce que tu veux, tu dis, allez maintenant je vais jeûner par exemple, je ne sais pas, de midi jusqu'à minuit, et tu commences à inventer des choses et comme ça, Allah Ta'ala n'accepte pas de toi. Allah Ta'ala n'accepte que si tu as fait, tu l'as adoré d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala yani, t'a montré de par yani, le biais des messagers. Sinon il n'accepte pas. Non. Ensuite quand tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la guider. Tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, qui te guide vers quoi?
vers le chemin des pieux et le chemin de ceux qui accomplissent de faveur. Et personne ne sera pieux, ni sera parti de ceux qui sont comblés de faveur s'il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette sourate, comme j'ai dit tout à l'heure, elle contient quoi? Elle démolit tous les dogmes, les faux dogmes des sectes égarées. Comme par exemple, Al-Jabriya, la secte des Jabriya. Al-Jabriya, c'est quoi cette secte? C'est une secte qui dit que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas de notre faute. Si on boit de l'alcool, par exemple, c'était écrit. Si je fais pas la prière, c'est écrit. Si je vole, c'est écrit. C'est comme ça. Comme certains, jusqu'à nos jours, certains égarés disent comme ça. Tu lui dis pourquoi tu n'arrêtes pas l'alcool, et te dis c'est écrit, qu'est-ce que je fais, c'est pas de ma faute. Allah ghalib, j'attends que Allah ta'ala me guide. Pourquoi tu ne fais pas la prière? Allah ghalib, Allah c'est écrit. Allah ta'ala ne m'a pas encore guidé. Donc cette sourate, c'est quoi cette sourate? Démaudit ce dogme. Démaudit ce dogme, ça se trouve où? Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, est-ce possible que quelqu'un qui soit décrit, qualifié aussi par Ar-Rahman Ar-Rahim, ensuite celui-là il va quoi? Celui-là il va te châtier pour une chose que yani, c'était plus fort que toi. Ar-Rahman Ar-Rahim, tu as bu de l'alcool, c'était plus fort que toi, c'est écrit contre toi. Ensuite, Yom al-Qiyamah, il va châtier, il va te dire, je vais t'emmener en enfer. Il va dire, pourquoi, ya Allah? C'était écrit que je boive de l'alcool. Donc, ce Rahman al-Rahim, c'est le plus miséricordieux, ne fait pas ces choses. Donc, c'est une preuve que quoi? Que Rahman al-Rahim, ça démaudit le dogme de la secte des Jabrites. Ensuite, et aussi pour terminer, je vais terminer par prouver que cette sourate démolit aussi le dogme de quoi? Le dogme des rafidites, des chiites, des rafidites. Bien sûr, je dis que si on va lire par exemple le livre Madaris Salikin, le sentier des itinérants de Bloukayen, vous allez trouver que il a parlé 100 ou 200 ou 300 pages, je ne sais pas combien, seulement sur le Fatiha. Il a montré comment elle démolissait, yani le dogme de toutes les sectes égarées. Il a cité plusieurs sectes. Moi, je vous ai cité une ou deux. Je terminerai par comment Al-Fatiha, comment qu'elle contient le démolissement des rafidites. Elle démolit le dogme des rafidites. Lorsque tu dis, tu demandes à Allah Ta'ala, tu dis, ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah, guidez-moi vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. Le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. Ibn Qayyim rahimahullah dit, c'est impossible que le chemin que Allah Ta'ala a comblé de faveur, c'est impossible que yani rentre des gens dans ce chemin avant les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ceux que Allah Ta'ala a comblé de faveur, il y a d'abord des messagers. En deuxième position, il y a qui? Il y a les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les rafidites, les chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les compagnons sont des mécréants. Vous savez, les compagnons sont des mécréants. Alors, Ibn Qayyim dit, dans ceux que Allah Ta'ala a comblé de faveur, après les messagers justes, rentre qui? Rentre les compagnons. Or, il a dit, il est impossible que les compagnons n'aient pas connu la vérité et que les chiites l'ont connu. Ou alors, il est impossible que les compagnons ont connu la vérité et ne l'ont pas suivi, alors que les chiites ont compris la vérité, ont connu la vérité et l'ont suivi. Il a dit ça, c'est impossible. Ensuite, il a dit la preuve que yani, ce sont des compagnons qui ont le plus de droits de rentrer dans ce que Allah Ta'ala a quoi? À combler de faveur, et que les chiites, ce sont eux qui ont le plus de droits de rentrer dans ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ou alors les égarés, il a dit, la preuve c'est que, si nous allons voir seulement avec nos yeux, yani,
et avec les choses sur lesquelles on peut témoigner, on va trouver que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, entre autres, hein, ils ont ouvert les pays des mécréants, ils les ont conquis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des, pays de mécréance? Ils ont fait des pays d'islam. Des pays où on adorait des statues, des pays où on faisait toutes les choses illicites et toutes les choses impensables, là, qui sont haram et illicites, subhanallah, ils sont devenus des pays où on adore seulement Allah subhanahu wa ta'ala et des pays où on applique sa législation, des pays où yani, le shaitan est combattu. Il a dit ensuite, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les cœurs des gens avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car vous savez, s'il n'y avait pas les compagnons, est-ce que ce Coran ne serait arrivé? S'il n'y avait pas ces compagnons, est-ce que Allah nous aurait arrivé? Rien ne nous aurait arrivé. Il a dit donc, tout cela, les traces qu'ont laissé les compagnons, c'est une preuve qu'ils étaient sur le chemin que Allah Ta'ala a comblé de faveur. Il a dit, et si on va voir d'autre part, les rafidites et les chiites, hein, en chaque temps et en chaque lieu, on va voir que, hein, ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ont fait les compagnons. Et entre autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, pour ceux qui ne savent pas ça, qui l'écoutent, moi je l'ai lu déjà avant, je l'avais lu chez Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Maintenant, je l'ai lu, hein, chez son meilleur élève, Ibn Qayyim Jawziya. Il a dit, jamais de la vie, un ennemi n'a voulu combattre l'islam sans que les rafidites ne soient de son côté contre l'islam. Allahu Akbar. Vous allez vous étonner, vous allez dire, comment ça? Subhanallah l'adim. Les rafidites, les chiites, témoignage de Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim. Il a dit jamais, au grand jamais, depuis que Allah Ta'ala a créé la chaque fois, depuis qu'ils existent, cela, quelqu'un, les chiites, depuis qu'ils veulent combattre l'islam, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils se mettent de son côté, lui, du côté de l'ennemi d'islam, contre les musulmans. Il a dit, combien de fitnas, combien de problèmes, combien de quoi, Yannick, ils ont. Est-ce que Yannick, il a cité ici, voilà, il a. Yannick, quand ils sont venus. Tu trouves des chiites et des rafidites avec eux. Certains vont dire. Et il a dit ici, même les mosquées yani, qui ont été fermées, les Corans qui ont été brûlés, les musulmans qui ont été tués, il a dit tout ça, ça vient de qui? Ça vient des rafidites, des chiites. Maintenant, quelqu'un va dire par exemple, comment je parle là, dit, mais on entend par exemple Hassan Nasrallah. Non, vous connaissez Hassan Nasrallah du Liban. Du matin au soir, naam, il vient à la télé, on va tuer les juifs, je vais envoyer des avions, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous croyez-vous en cela? Naam, vous croyez-vous en cela? Celui qui croit en cela, c'est un bébé miskin. Il suce quoi? Il suce son pouce miskin, celui-là. Yani, c'est quelqu'un qui est en train de dormir, il ne s'est pas encore réveillé. Ou bien c'est quelqu'un, vraiment, yani, qui est loin de connaître qui? Naam, c'est lui. C'est quelqu'un qui ne connaît vraiment rien du parti des rafidites et des chiites. C'est quelqu'un qu'on a trompé, on a leurré, et il croit que les chiites maintenant ce sont eux qui vont nous ramener l'islam. Alors qu'il ne sait pas que les chiites ce sont des Perses, ce sont des Medjous, ce sont des adorateurs du feu, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils disent, ce sont eux qui disent, c'est pas nous. Ils disent notre Coran, c'est pas le vôtre. Non, ils disent notre Coran, c'est pas le vôtre. Ils disent, Mohammed, votre prophète, n'a pas montré aux gens la vérité. Non.
comme j'ai entendu de mes propres oreilles, j'ai entendu de mes propres oreilles un chiite dire trois fois: tu t'es trompé à Muhammad, tu t'es trompé à Muhammad, tu t'es trompé à Muhammad. Ensuite il a dit: Muhammad n'a pas montré aux gens la guider. Non, n'a pas guidé. D'ailleurs, même Khomeini, que Allah Ta'ala Azza wa Jalla le maudisse, qu'est-ce qu'il a dit? Hein, c'est connu sa phrase célèbre. Il a dit que Mohammed n'a pas réussi dans sa da'wah. C'est-à-dire, moi j'ai réussi. Lui, il Khomeini, n'est pas Mohammed. Il a dit Mohammed n'a pas réussi dans sa da'wah. Que Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Si je voudrais vous dire juste une chose pour terminer. Si seulement on faisait bouger un peu notre cerveau pour juste y aller réfléchir, on comprendrait. Dites-moi, maintenant par exemple chez les Américains, c'est qui le plus grand terroriste qu'on cherche contre je ne sais pas combien de millions de dollars? Rouraba, écris-moi si tu as la réponse. Rouraba, c'est qui le plus grand terroriste qu'on cherche de nos jours? Et si on le trouve, il y a une amende dans je ne sais pas combien de millions de dollars. J'attends, Inch'Allah, ta réponse. Ben Laden, barakallahu fik. Ben Laden, qui, je ne sais pas où il est maintenant, dans une grotte, caché Zama dans une grotte au Pakistan, je ne sais pas quoi, dans une grotte avec une bougie, un peu de pain, un peu d'eau, Zama, je ne sais pas où, entre parenthèses, si vraiment il existe, elle-même. Donc vous voyez, Ben Laden, puisqu'il est dangereux, Zama, entre parenthèses, donc il est le premier dans la liste des terroristes. Donc maintenant, on va se poser une question. Comment se fait-il que Ben Laden, avec un pistolet et un pétard qui se trouve dans une grotte cachée, il est recherché le premier de la liste contre des millions de dollars? Et quelqu'un qui s'appelle Hassan Nasrallah, les savants disent Nasrallah, ils ne disent pas Nasrallah. Non. Donc ce Hassan, celui-là du Liban, qui, subhanallah adim, vient à la télé, non, il menace, je vais frapper les Juifs, je vais frapper les États-Unis, je vais frapper les Américains, je vais envoyer des avions, je vais ceci, ne se trouve pas sur la liste des recherchés. Est-ce que ça, c'est possible, subhanallah l'adim? Assieds-toi et, subhanallah, réfléchis. Comment Hassan Nasrallah vient à la télé, il dit, je vais détruire les Américains, je vais détruire les Juifs, du matin au soir, il dit ça, il n'est pas parmi les recherchés, les grands recherchés des États-Unis. Normalement, moi, d'après moi, il serait le premier. Ben Laden, c'est le dernier. D'abord, celui-là, qui a des armes, des avions et des fusées, et qui vient chaque soir défier les États-Unis, et pourtant, il n'est pas sur la liste. Pourquoi? Vous l'avez trouvé, vous l'aurez compris. Parce que, tout simplement, il travaille avec eux. Non, il travaille avec eux, ça, c'est seulement une apparence. Non, tous les mois ou là, on lui téléphone. On lui dit, écoute, ça fait longtemps que t'as pas parlé, toi. Parle un peu, dis, je fais ceci, je fais cela, hein. Ça rentre dans la politique, et on lui envoie des millions, des milliards, et tout le monde sait que c'est l'un des plus riches personnes au monde qui puisse exister. Le moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide ou lui brise son dos, et il est loin de nous et nous laisse tranquille avec El Sunna ou Jama'a. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, pour le Fatiha, naam, et Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, on va passer à la sourate qui suit, qul a'udhu bi rabbin nas. Inch'Allah ta'ala, sans tarder, je vous donne, si vous avez Inch'Allah ta'ala les questions. Et j'oublierai pas le Rouraba, et tu es, je crois, le seul aujourd'hui avec nous, de te dire qu'il y a un nouveau admin avec nous, dont je t'ai parlé déjà une fois, et de lui passer, Inch'Allah ta'ala, quelques